parce que le flashball. Jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ou pig, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille. On lâche rien. Ils nous parlent d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle ensemble, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. Tellement banal de parler de fraternité. On est SDF, traîne sur la dalle, et qu'on mène la chasse sans papier. On jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné une heure, remettra sur les compteurs. Oh, my God.
Mai 68, c'était la réunion des ouvriers et des étudiants.
Et à présent, là, les Gilets jaunes depuis 3 mois, c'est la représentation de tout le peuple français, que ce soit des jeunes, des retraités, des ouvriers, donc de la fonction publique et privée. Nous sommes tous là, il faut que notre force, il faut qu'on se réunisse. Et je pense qu'à travers des assemblées, il faut essayer de trouver des solutions, des stratégies concrètement par rapport à nos marches hebdomadaires du samedi. Il est bien concrètement, en effet, de se faire voir, d'ennuyer, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'ensemble nous trouvions des solutions pour bloquer le gouvernement et qu'on stoppe cet état totalitariste qui est en train, concrètement, à l'heure actuelle, de nous briser par la violence et par le silence. On veut nous réduire à silence. Donc, qui veut parler au micro et dire, proposer une solution? Moi, je propose concrètement qu'on se réunisse tous les samedis, place de la Comédie. Bien sûr que progressivement, on parviendra à avoir du nombre et trouver des solutions ensemble et que la majorité l'emporte. Parce que concrètement, on est 10 000 gilets jaunes sur le terrain. Il faut qu'on trouve un accord, quoi qu'il en soit, et qu'il soit bénéfique pour notre génération, pour les générations futures également, nos enfants. On ne peut pas laisser cet état totalitaire s'installer. J'ai l'impression qu'on est sous le régime de Vichy. Je dis, il faut agir, c'est maintenant, c'est urgent, et il faut qu'on se rassemble. C'est urgent. De rester ici et de discuter, d'essayer de former une assemblée, et de s'organiser à la manière dont s'est organisé le Gilet jaune de Commercy, eh bien, on commence quelque chose à Bordeaux. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte bruit. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ou pig, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les textes allez, on est bon, là pour on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlent d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole.